Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre 2021. Je fais cette vidéo pour parler de performance. Ça, c'est une performance que je fais. C'est mes mains que vous voyez là. Il y a plusieurs imprimés de mes mains. Ça, c'est un exemple, juste pour vous dire que vous avez tous ça. Dans votre main. Il suffit de bien observer vraiment. Vous allez trouver tous ces sujets dans votre main. La musique, c'est moi qui ai composé. Pas de performance. Alors, ça, je vais passer à autre chose parce que bon, c'est bien. Là, c'est ça. Un peu long, je n'ai pas préparé ça. Ça, j'ai trouvé un jour un appareil photo et je l'ai perdu après. J'ai photographié 250 personnes, toutes nationalités confondues. J'ai fait un assemblage, pêle-mêle, comme vous pouvez vous appeler. Du coup, j'ai fait un thème, j'ai créé un thème qui s'appelait Vu autrement. Et j'ai photographié environ 250 personnes qui portent les mêmes lunettes, comme vous pouvez voir ça. Ils ont tous les mêmes lunettes. Oui. J'ai présenté à tous les organismes mon idée et ça a été refusé. Du coup, je me trouve chez moi avec les photos encadrées que je vais aller chercher. Alors, je reviens sur l'idée, c'est que ces lunettes, elles sont très particulières. Regardez bien. Les lunettes, elles n'ont pas la particularité que tu ne peux pas conduire avec. Du coup, je les ai perdues, je ne sais pas pour quelle raison. Mais j'ai pu quand même photographier plusieurs personnes avec ces verres de lunettes. J'ai présenté, je redoute, à plusieurs endroits, mon idée qui n'a pas eu de retour. Personne n'a pas compris. Alors, je me suis dit, je vais faire une vidéo à nouveau, mais je vais expliquer le pourquoi. Voilà, du coup, je vais laisser cette photo-là en attendant que je vais chercher les autres photos. Comme ça, je vais aller chercher un peu. Ça va être un peu éloigné un peu plus parce que je vais chercher les autres. Je vais laisser comme ça là, improviser. C'est juste le temps de chercher le reste. Le reste, on va les autres. Ça m'a tué cette histoire parce que j'ai perdu mon temps pour rien. Voilà, je vais faire ça. Là, ça, là, ça, et ça. Là, vous allez voir, c'est les mêmes photos en sépia. Regardez. C'est les mêmes photos en sépia. Regardez. Oui. Ils ont les mêmes verres, les lunettes. Et c'est la même chose à côté. Là, c'est la même chose. Sauf que là, c'est sépia. Là, c'est la couleur normale. Après, j'ai fait en gros. Hein. Là, j'ai fait plein de photos comme ça pour présenter dans cette galerie. J'ai fait par quatre. Oui.
et personne n'a pas voulu de mon idée. Je me trouve aujourd'hui avec tous les cadres rangés et je dois déménager. Du coup, je fais cette vidéo comme ça. Je vais montrer quelque chose là. Ça, c'est la couleur. Ça, c'est la même photo au négatif. Regardez. Donc, j'ai fait au négatif. J'ai séparé par 4 photos pour revenir à mon bout. J'ai dépensé des sous parce qu'il fallait payer les cadres. Alors là, donc je vais terminer avec les... Ah oui, c'est là. C'est le son, l'antenne parabole. Je vais revenir là parce que... Voilà. Ça, c'est en fait, j'ai fait appel, mail, je vous regarde, de ces photos. Comme ça. J'ai fait plusieurs films qui s'appellent « Vue de nous », « Vue autrement », parce que aucun lieu n'a voulu de bonne idée. Pourtant, c'est original. Personne n'a jamais songé à prendre autant de gens avec les mêmes lunettes. Voilà. J'espère que la personne qui a trouvé le nez, elle va savoir profiter, parce que moi, je vais profiter. Voilà, tout ça, pour parler de performance. Je vais vous demander, alors, attention, ça ne tombe pas, ça ne tombe pas sur les pattes, ça fait du bien, ok. Voilà, on va parler de performance. Performance, vous savez, la performance, hein, il y a... Je me sens un peu, parce que ça n'a pas... Ça. Et tout improviser. C'est ça qu'on a une performance, parce qu'on ne peut pas s'organiser. Il faut faire comme on l'entend. Bon, on parle des performances, hein. Ça, c'est l'air, la respiration. Patatata, ça, poum. Là, c'est là, tata. C'est machin. J'essaie de. Poum. C'est bien, la musique. Je vais arrêter, on pause. Alors, pour revenir à l'histoire des performances, j'ai. Donc, je vais radoter. Il y a très longtemps, j'ai acheté à New York ces paires de lunettes qui étaient rares. J'ai photographié tous les gens et j'ai présenté à tous les lieux concernés. Personne n'a voulu de mon idée. Alors, je me trouve avec toute cette exposition rangée dans le placard. Vous voyez, c'est un peu, c'est une performance. Ça, c'est une performance. Alors que là, il y a une nuit. Il y a deux garçons qui sortent nus, je ne sais pas en France, ils se présentent chez les gens à poil. J'aimerais bien savoir s'ils auraient osé venir faire ça à Paris. Voilà. On parle de performance, et eux, ils disent que c'est une performance. Oui, je veux bien que c'est une performance. J'ai fait une performance, écrit, dans le bois, j'étais moi nu, de dos, nu. La vidéo n'a pas pris, on me voyait que des dos. Et l'organisme social n'a pas voulu mon idée. Mais je mets quand même le film dans lequel je crie nu. C'est un concept que j'ai déposé aussi. Là, j'ai défendu, j'ai déposé le concept des lunettes aussi, vu autrement. Mais pour rien, tu sais, j'ai fait ça. Pas pour là. Du coup, pour revenir à l'histoire de garçons qui sont nus, je trouve ça aberrant. Si ça s'appelle ça une performance, tu vois, pourquoi ils ne viennent pas à Paris nus? Ou alors qu'ils descendent les Champs-Élysées, place Concorde, rue de la place Vendôme, Opéra, ils descendent la ville de l'Opéra jusqu'à la pyramide nue. Je vais voir un défi. S'ils sont prêts à faire des films comme ça, nus, là, qui vont se présenter, c'est les gens que les gens ils accueillent bien, mais je pense qu'à mon avis, c'est monté, ils sont allés préparer les gens
pour leur dire qu'on va faire un film comme ça, ta, 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 comme ça, les gens ils sont pas surpris. C'est trop, quoi. Quand tu vois des gens qui font des performances que je tire le chapeau, d'accord, mais vous comptez qu'ils sont toujours sponsorisés par quelqu'un d'autre parce qu'il y a des performances réalisées tout seul, c'est pas possible. Il faut avoir les moyens. Il faut vraiment avoir les moyens. Traverser à la Manche, à la nage, si tu n'as pas une sponsor, personne qui sponsorise derrière toi, tu ne vas pas le faire. Traverser l'Atlantique dans la voile tout seul, ce n'est pas possible. Il y a toujours, tu es toujours suivi par satellite, donc tu n'es jamais seul. Il n'y en a qu'un qui a fait ça, enfin si, je ne sais pas ce qu'il n'était pas seul. C'est Colomb, Christophe Colomb. Il a traversé, mais il avait beaucoup de monde sur le bateau. Donc il n'était pas seul. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pu traverser l'océan comme ça, à la nage, au bon bateau, seul. Je mets ma main au feu pour savoir qui a fait seul, sans garder. C'est impossible, parce que tu arrives au moment qu'il faut boire, il faut boire. Et puis tu as pas assez de boire, il faut apporter du corps à manger. Je ne vois pas que tu auras apporté assez à manger dans un bateau pour traverser l'océan, à la nage. Même si tu fais à la rame, le bateau ne va pas prendre toute la marchandise à moi, tu vas bouger que des barrettes, et si tu gardes avec toi les emballages, ça va. Mais si tu jettes dans la mer, ça ne va pas non plus. Le recyclage, tout le monde en parle. Vous achetez du thé, c'est recyclé dans un paquet de plastique, dans un paquet en boîte, et ça, et après, on parle de recyclage. C'est quoi ça? C'est pas possible. Moi, le recyclage, je fais avec tout ce qu'il y a dans la rue. Pas besoin. Il y a un truc qui je vois, que les gens qui donnent des vêtements, qui les envoient dans des pays lointains, qui polluent les mers. C'est l'idée là, c'est ça, mais il faut mettre en pratique. Je vous l'ai donné. Voilà. Vous prenez du béton, mélangez du ciment avec tous ces vêtements, vous fermez des formes de blocs. Voilà, c'est là qu'il faut avoir de l'argent pour le faire. Des blocs, des ciment avec ces tissus déchirés, ça va faire un bloc en béton. Comme ça, vous pouvez utiliser autrement. Là, c'est une forme de recyclage. Mais les gens, ils ne poussent pas. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? On parle de performance. J'ai performance pour moi, c'est. Oh! Là. Oh! Hey! Ça, c'est des gens qui travaillent dans une grosse boîte, supermarché. À la caisse, à la fin, elle entend le chien qui parle, ça gratte, le prix, la promotion, toute la journée. Il y a les clients qui sont désagréables, maman qui passe, elle n'en peut plus. Là, un lieu pour ces gens-là, aller se défouler, oh! Ça serait bien. Mais pensez-vous, j'ai proposé à l'idée, même chez les filles, ils n'ont pas voulu l'idée. Alors, du coup, j'ai pratiqué mes idées tout seul. Parce qu'il y a, il y a pas personne qui va vouloir dire ce type-là, il est fou. Je ne suis pas fou. Je suis réaliste. C'est les gens qui ne veulent pas affronter la réalité. Là, c'est pareil. Là, c'est un conflit de savoir que pour qui on va voter. Moi, je ne sais pas pour qui je vais voter. Parce que vu les propositions qui nous ont été posées, imposées, 4 mois libres, mais tout de suite, après, pour moi, les façons enfermées. On ne comprend plus rien. Moi, je ne comprends plus rien. Du coup, je vais parler plein de choses là, mais ce n'est pas possible de tout parler. Voilà, c'est. Je vais vous donner un exemple de performance. Regardez. Ça, c'est quelque chose qui est banal. Tout le monde sait ce que c'est. Qui sait ça? Ça symbolise quoi? Ça symbolise nous, la Terre. Là, c'est la Terre qui tourne sur des planètes. C'est comme si on était. Nous, actuellement, on est comme ça, on est enfermé dans un truc, on ne sait pas. Sauf que. Pour ceux qui ne savent pas, ce truc-là, c'est le truc pour les pigeons. Vous allez voir, pour le près, c'est le truc qu'on met sur les fenêtres pour attraper les pigeons. Sauf que j'ai les encastré un comme ça, un sous l'autre, et j'ai attaché, ça fait ça. Les gens se demandent, qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est ça, c'est simple, c'est simple. C'est simple qu'on ne peut pas possible. Tout est. C'est facile, regardez, c'est. Ça, c'est un assemblage parce que j'ai démonté une commande et j'ai récupéré les boutons parce que je ne voulais pas laisser les boutons parce que j'ai acheté les boutons. Du coup, j'ai fait un truc genre une horloge. Oui, c'est une horloge si on veut. Peu importe l'heure que vous voulez, vous mettez l'heure que vous voulez. Mais c'est juste un délire.
J'ai pas les huîtres. Je sais quoi ça, les huîtres? Mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Soufileva, nous vit. Donc, parler de performance, c'est pas évident. Performance, pour moi, c'est celle que tu as réalisée tout seul. Je vais vous dire. Un jour, il y a peu de gens qui savent ça. Dans l'église Saint-Sulpice, il y a un théâtre au sous-sol. Je suis allé dans ce théâtre tout seul. Il y a un film que je n'ai pas posté, ce film. J'écris dans l'église tout seul. Et puis, il y a des gens qui se disent, où est-ce que c'est? C'est là, l'église Saint-Sulpice. Quand vous passez, vous n'imaginez pas. Il y a encore des gros tunnels là qui passent dessus, mais personne ne sait ça. Donc, je suis allé, je fais un film. Je suis allé dans la ville de Caen, hein, à Caen par l'autocar pour Caen. Je suis allé. Merci, bonjour. Merci beaucoup aux gens de Caen. Parce que la gentillesse, là, c'est pas possible. Ça a commencé dès la gare. J'ai fait une vidéo tout seul dans l'église. Parce que c'était un jour autre, qu'il n'y avait personne dans la ville. J'étais tout seul. Je dis, oh. J'ai prié, c'est une façon de parler, dans le silence, dans l'église. J'ai filmé en même temps l'église. Et les gens, ils ne savent pas ça. Mais moi, je fais. Du coup, je me suis dit, c'est le souvenir que je vais avoir de quand. C'est les gens, or que les gens, plus ça pas qu'eux, c'est pas possible. D'ailleurs, je me suis permis de demander au serveur de bas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai peur. Parce que votre gentillesse, il m'a dit, mais les gens ici, ils sont comme ça. Ça tombe bien, ça tombe bien. C'est un bon souvenir que je garde de la ville de Caen. C'est la gentillesse. C'est que les gens qui viennent à Paris, ils s'en vont de Paris avec une image négative. Parce que les gens sont comme ça. Arrogants, ce n'est pas mon cas. Moi, je vais dire bonjour à tout le monde. Je suis allé voir un monsieur l'autre jour pour me faire quelque chose. Il était super gentil. J'étais voir un autre monsieur qui vendait du pain. C'était pareil. C'était pas dans le quartier, c'était un télégraphe. Hein? Du coup, je compte aller à C4 récupérer ce que j'ai commandé. Eh bien, je vais passer voir ce monsieur pour dire merci pour votre gentillesse. Gardez-la parce que c'est important. Tout ça pour parler, j'ai commencé à parler des performances. Hein? Expliquez-moi quelle est la plus grande performance faite seul, que j'aimerais bien savoir. Il n'y a pas à me dire que le mec qui a traversé le fil là, autour de New York là, il a fait, il y avait des gens autour, s'il tombait, on pourrait être là, présent. Mais s'il va tout seul, il va se casser la gueule tout seul. C'est comme les gens qui vont au sport du ski, hein? Ils subissent des accidents, là, tu nous casses la gueule. Qui c'est qui paye les frais? C'est des secouristes, des premiers secours, des ambulanciers. C'est nous, et eux, ils viennent ici pour foutre du ski, tout ça. Et alors du coup, j'ai pensé qu'on devait les imposer, payer une taxe, une assurance pour le sport. Comme ça, ça va les freiner un peu, parce qu'ils viennent là, ils font n'importe quoi. Après, il y a l'avion qui se déplace pour envoyer, tout ça. Et tout ça, c'est le frais de nous. Et nous, je ne suis pas d'accord. Tu vas aller faire de la trottinette, tu vas te casser la gueule, mais tu vas subir tout seul. Ce n'est pas parce qu'on a le temps de l'assurance que tu vas compter sur l'assurance. Non. Tu as tué quelqu'un, tu as cassé la gueule de quelqu'un, tu vas assumer tout seul. Ton assurance, ce n'est pas nous qui va assurer tes trucs. Je ne suis pas d'accord. Il y a des choses que les gens, ils abusent un peu. Alors, des faux pauvres, j'en ai marre. Je n'ai pas dessus de la tête. Des gens qui sont riches, qui font la manche. Mais moi, je ne donne pas. Les gens qui ont des enfants, des bébés, ils essayent de sensibiliser les gens avec les chiens pour que les gens, ils veulent acheter, ils donnent la moyenne. Moi, je ne donne rien. Moi, je donne la Croix-Rouge, comme ça, je suis des merdes, je donne l'argent à la Croix-Rouge, la boîte, là où je sais où l'argent y va. Même s'il y a la corruption dedans, je ne sais pas. Mais donner de l'argent aux gens de la rue, c'est net. Parce que j'ai déjà vu des faux handicapés, hein, ça c'est déjà vu, et une dame qui portait dans sa poussette des sacs à main, ouais, des sacs de course attachés dans le caddie. J'étais la dame qui s'était abusée, qu'il fallait qu'elle montre son bébé, elle n'a pas voulu montrer. Il y a eu quelqu'un qui a pris parti de la dame. Oui, mais monsieur, vous cherchez la merde, je vais failli le dire, mais je n'ai rien dit pour éviter d'aller plus loin. Mais dans ma tête, je me suis dit, si ça aurait été votre fils, qu'est-ce que vous auriez fait, ouais. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu du terminus, je suis allé prévenu
au guichet qu'est-ce qui venait d'arriver. Comme ça, il serait averti parce qu'il pourrait entrer dans le wagon, choper le faux handicapé et la fausse femme avec son bébé. Donc, je ne sais pas ce que ça a donné. Et donc, je suis parti dire ça parce que je ne pouvais pas. Et autre chose, si je vous parle à ce moment-là, je dois saluer l'orthophoniste, parce que c'est une orthophoniste, une dame que je suis depuis longtemps. Elle m'a appris beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Parmi ces choses, à parler librement. Et je ne suis pas, je ne me sens pas, comment dire, avant je ne savais pas parler, je ne savais pas m'écouter. Aujourd'hui, je peux parler, comment dire, sans faire des efforts. Je peux parler très très fort, aller très très loin et ne pas être fatigué. Est-ce que vous avez compris? Grâce à l'orthophoniste qui m'a appris à parler, chose que j'estime qu'il y a beaucoup de gens qui feraient bien d'aller voir une orthophoniste parce qu'ils parlent tous que ça pour la bouche de travers, c'est pas bien du tout. Là, tu sors, tu entends déjà. Tu apprends davantage à reconnaître les voix, à voir les gens qui ont besoin de voix se faire sonner. Tu sens aussi ça. Et quand tu fais un travail chez un psy, c'est pareil. Les gens pensent que un psy, c'est un fou. Non, le psy, c'est son frère, ton frère très intime que tu vas appuyer sur ton épaule et va te guider, avoir plus clair dans ta tête. C'est ça le truc. Ça aussi, quand on voit un psy, on sait de quelqu'un qui a besoin d'aller voir un psy. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait égoïstement? On s'éloigne de cette personne. On ne va pas le dire. Bah, si j'aime la personne, je vais la rappeler dans un coin. J'écoute ce que je vais te dire. Ça ne va pas te plaire. Mais je pense bien que tu devais bien te faire soigner. Voilà. Si pour mal, c'est parce qu'il a vraiment besoin. Voilà. S'il ne prend pas mal, c'est parce qu'il n'a pas besoin. Mais s'il va faire la gueule, ah non, mais non, c'est pas ça, c'était fou. Donc, j'insiste pas, je laisse aller. Voilà. Tout ça. Ah oui, ça aussi. Performance. Ça, c'est une performance. Écoutez bien, je vais vous faire une performance de respiration. Allez. Commencez par ça. C'est un seul souffle, je vais voir, que je vais laisser. Je vais remplir les poumons. Voilà, c'est long à faire, mais peu de gens arrivent. Mais c'est une question de pratique. Les gens qui veulent aussi perdre du régime, maigrir et tout ça, mais c'est que arrêter de fumer, c'est question de volonté. Si tu arrêtes, si tu veux, n'attends pas à boire des médicaments, machin, aller courir après. Non, non, non. Tu le fais, tu ne changes rien. Tu juste retardes la première cigarette ou alors va voir une personne. Orthophoniste, qui est pour le cas, elle va vous aider à travailler la respiration. Comme ça, vous allez être un peu. Vous trouvez cette cigarette insupportable. Moi, quand il y a quelqu'un qui fume des manches, moi, je m'écarte parce que je ne supporte pas. Pour vous dire quel point c'est. Tout ça parce que je voulais vous expliquer la performance. Qu'est-ce que c'est que l'être performant? C'est ce que je viens de faire là. Je vous ai parlé, j'ai raconté un peu. C'est pas une performance, je ne sais pas. Mais en plan, en tout cas, ça n'a pas été coupé. C'est brut. Et pas par vous, parce que les lieux, comment on appelle, je ne vais pas citer les noms, là où je vais mettre la vidéo, ils vont me demander, est-ce que c'est pour les enfants ou pas? C'est un peu vouloir me commander, vous savez, j'aime pas du tout ça, j'aime pas du tout être imposé, donc c'est pas ça, que vous soyez pas surpris si vous entendez ce que je dis. Si j'ai horreur d'être imposé, et là c'est le cas, ça va poser la question, est-ce que c'est pour les enfants? Non,
C'est à vous de voir. Moi, je mets tout, je ne mets rien. C'est les gens de voir si ça se mérite d'être vu par les enfants. Oh non. Parler, par exemple. Violence. Ah, la violence partout. Mais il y a des jeux vidéo aussi, une violence extrême. Ils devaient interdire ça. Non, on arrête de me saouler avec une histoire de violence. Ouais. Bon, un peu d'air. Ah, malgré tout, passez des bonnes fêtes. Aujourd'hui, c'est le 24. Ça, c'est veille de Noël. Hein? La veille de Noël et l'avant-veille de Nouvel An. Je ne sais pas quand ça sera. En tout cas, je vous souhaite tous le meilleur que vous estimez. Je ne vais pas dire plus, à part que je vous aime tous. Alors, voilà pour vous, c'est le mot. N'anticipe pas une attente qui est à moyen. Hein? Et one qui va commencer. Pour qui était un bon homme, j'espère tout le meilleur qui est ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas savoir. Hein? Performance, la chose que tu as que savoir. Où qui est performance? Expliquez-moi. Véritable performance. Ça, c'est une performance, regardez. Transformation. Ça, c'est une performance. Ça, c'est une performance. Ah oui, voilà, oui. J'ai été voir un tableau qui s'appelle Nu. Oui, c'est une femme allongée, elle est toute nue, comme ça. Mais des gens n'ont jamais vu, elle n'est pas nue. Ce qui entoure elle, le canapé, c'est un serpent. Mais des gens regardent que la femme nue. Et là, elle est sur un fauteuil. Et en fait, le fauteuil fait le serpent qui entoure la femme comme ça, tout le coup, qui descend sur le bas. Et bien, quand tu vois le serpent, c'est un serpent là, qui monte derrière la femme. Tu vois la queue du serpent de l'autre côté. Les gens, ils voient la femme d'abord. Moi, j'étais hier au musée d'Orsay, j'ai regardé, je crois, j'ai regardé bien le musée, parce que je regarde. Avec le zoom de l'appareil photo, je ne fais pas de photo, je zoome seulement. Avec le zoom, je zoomais tout près, j'ai pu voir le serpent. Après, je me suis recollé, je me suis dit que c'est un serpent, carrément. Mais ça, il faut du temps. Tant que la femme, illusion, est nue, elle n'est pas complètement seule. Elle est accompagnée d'une vipère. Voilà. Donc, c'est nu avec une vipère. Ça, c'est un truc. Il y a beaucoup de gens qui vont retourner voir ce tableau de nu, il va se rappeler. Parce que j'ai vu un serpent. Pour dire que c'est la performance, le mec qui a eu une performance de faire le tableau de nu, mais j'ai eu la performance de voir plus. Il y a un tableau de M. Sésame, je crois. M. Sésame. Oui, c'est pas. Plein de petits pétales de fleurs comme ça. Mais les gens regardaient comme ça. Moi, je suis allé, j'ai regardé fixement. Du coup, je voyais des silhouettes de femmes. Avec les pétales, les fleurs, oui, et la bouche. Mais il fallait bien voir. Donc là, je vais passer inaperçu. J'ai écouté, c'est pas ça. Tu vas regarder Van Gogh, il y a des tableaux. Ce n'est pas en 5 minutes que tu vas découvrir le tableau. Il faut que tu restes scotché, que tu rentres dedans. Ça, tu donnes une troisième dimension au tableau et tu découvres mieux le tableau. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Bon, enfin, on va vous laisser là. Allez. Mais attends, je vais parler longtemps. Là, je l'ai sans la voix. Et j'ai parlé 29 minutes, 42 secondes, 44 secondes. Allez, bye. Feliz Ano Novo, bonne année à tous. N'oubliez pas, performance, qu'est-ce que c'est?